Nico, voilà ce que je te propose pour demain. Est-ce que ça te va si, avec Kevin, chacun vous faites un 10 minutes chacun? 10 minutes, 10 minutes, et moi j'arrive. Comme ça, on partage le plateau tous les trois. Et maintenant, le guest que vous attendiez tous, Julien Santini. C'était de la guitare? Ouais. C'est un petit coup, on partage la scène. Partage la scène. Ok. Ok, ouais. Non, mais c'est... J'ai hâte de voir ça. T'as combien de personnes, Sora? Ok, donc on part sur une agression. Je pense que ça peut être incomplet, hein, là. Ce soir, on a essayé, j'ai essayé de faire des petits punchs pour les prendre, mais j'ai pas gagné. Super, c'est un docu sur quoi que tu fais? C'est sur le stand-up. Très bon. Ouais. Alors t'as des questions à poser? Tu viens d'où? De Lyon. Ok. S'il vous plaît, les gilets jaunes, s'il vous plaît, ne paralysez pas Nantes. Oui, eh ben. Donc là, tu travailles ta répartie avant le spectacle? Un peu d'impro, ouais. Ouais, c'est peut-être moyen. S'il vous plaît, c'est les intermittents. Bon, ça, c'est la salle. Vous pas de spectacle, hein. Alors, ça coûte foudre ou pas? Totalement. On va ouvrir si c'est le moment du spectacle. Je démarre le sketch du charcutier, là, d'ailleurs. Voulez-vous les comment, les tranches? Après autant de métiers que j'ai, j'arrive à avoir peur. Là, j'ai peur. Qui ne stresse pas n'a pas de... C'était Dubos qui disait un truc comme ça. Et là, je suis dedans, tu vois. Je suis en train de préparer mon slalom, quoi. Là où, à mon avis, tu vas te vautrer. Je pense pas... Si, parce que t'es pas assez préparé. Ouais, moi j'ai joué tout le mois dernier au... C'est pas une question des trois cyclopes. C'est pas une question de jouer. Et puis les trois cyclopes, c'est plus vraiment ce que c'était. Les tricycles? Non, les trois cyclopes. C'est pas une question de jouer beaucoup, c'est pas une question, c'est une question d'être focus sur le moment. Ah, bon, je suis... j'arrive à être focus là. Tu verras, c'est tout ce que je dis. Et pas focus. Bon bah les gars, en tout cas merde. C'est mon manteau. Casse-toi. Attends, vas-y, regarde. Non, file le téléphone. Ah non, pas le téléphone. Mais c'est un cadeau. Allez, et non, tu te casses. Je le récupère à la fin dans tous les cas. Je connais le régisseur. Il y a une jour, ils vont me prendre mon téléphone. Le chef Cristobal. Le gars s'est barré. Si on ne le menace pas, il ne revient pas. Tu te prends pour qui? Complètement avachi. Moi là je connais personne, mais c'est cool parce que c'est plein de gens différents et tout, et du coup on apprend petit à petit, on va apprendre à se connaître. Ah ok. Bah je te laisse, t'es peut-être occupé. Non mais c'est cool que tu t'appelles toi. Kevin. Tu veux rester un peu? Parler ou savoir ce que tu fais et tout? Ouais bah ouais. Bonsoir messieurs dames.
Je joue demain soir à la compagnie du Café Théâtre. Je suis pas complet. Je suis humoriste, je fais du stand-up, je m'appelle Julien Santini. Si vous voulez, je vous fais une petite blague. Et si ça vous plaît, vous peut-être vous tentez votre chance. Allez-y. On est fou, ok. Attends, il faut que je me mette en... Bah, applaudissez comme si on était à la salle. Ok, c'est cool. Wow, c'est tout ce que vous pouvez faire. Hey, qu'y a-t-il de pire que de doter sa sœur? Retrouver l'alliance de son père à l'intérieur. Il a connu cette nuit. Ouais, je sais, elle est pas de moi. Qu'est-ce que je peux te faire? Putain, tu m'inquiètes. Quand tu t'appelles, sinon je suis un pro de l'impro. Quand tu t'appelles? Clémence. Clémence. Hey, t'as quel âge, Clémence? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouh, dis donc, tu dois être du genre à toujours vendre des trucs, toi. Voilà. Est-ce que vous êtes convaincu? Non, attends, je peux vraiment faire. Attends, je te fais un truc vraiment carton. Allez, ne venez pas demain. C'est bien, Kevin. Ouais, non, mais c'est moi qui fais dire que c'est bien. Allez, bisous, hein. Ouais, c'est ça.